Donc vous avez aussi des scripts disponibles sur le web que vous pouvez charger comme ça, en effet. Par exemple, ici, si dans Google, je tape download Photoshop script. Bon, j'ai pas précisé quel type de script je voulais, mais il va y en avoir plein. Voilà. Les 15 meilleurs scripts pour Photoshop. Faudrait peut-être que je précise quel type de script je veux. Action. C'est les macros. Voilà. Ah ben j'en ai un peu plus là du coup. 45 meilleurs Photoshop Action, 55 ici, etc. 200 ici. Plein, plein. Il y a plein de pages là-dessus. Maintenant, si je précise ce que je veux, type. Voilà, pour le texte, je vais peut-être, et je vais aller dans la partie image là. Voilà, je vais avoir des scripts pour transformer du texte en ça. Gold Effect. Ou, ah tiens, faire du rétro engraving. Avec de, visiblement, des trames. Ok. Si je tape art déco, qu'est-ce que ça va dire? Je sais pas, je teste. Hein. Bon, on trouve plein de choses, voilà. Alors, il y en a un qui est assez connu. Il a défrayé la chronique parce qu'il est huge. Alors, voilà. Voilà une vidéo qui en parle. Donc c'est un script qui est livré avec des images, parce que les scripts peuvent parfois être livrés avec des images et ils utilisent des images. Il fait quand même, je pense, 900 mégas. Et voilà, c'est ça. C'est ce qu'il est indiqué là. 900 mégas. C'est le plus gros script qui ait jamais existé jusqu'à présent. Hein. Il transforme des peintures, des photos en peinture, en fait. Je vous en parle pour l'anecdote. Vous connaissez cette chaîne, elle est pas mal, hein? Piximperfect. Il a changé de look dernièrement. C'est indien, mais pour un indien, ça passe bien. Si, 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 ça passe très bien. Il parle très bien anglais. Non, non. Bon, voilà. Donc, c'est un script. À vous de le tester si vous voulez, mais je voulais juste pour l'anecdote vous en parler. Voilà, nous, on a fait un tout petit truc. Alors, je sais pas pourquoi pendant l'exécution, il a fallu que je retourne dans faire le copier sur la texture, mais c'est sans doute parce que je quitte Photoshop régulièrement et que. Voilà, ça, le presse-papier ne s'exporte pas. Bon, pourtant, dans les préférences générales, j'ai l'option ici exporter le presse-papier qui est coché, mais il n'arrivait pas à l'exporter. Ça doit être dû aux limitations de l'ordinateur, en fait. Hein. Quand je quitte Photoshop avec une image du motif là dans le presse-papier, il dit impossible d'exporter le presse-papier. C'est au niveau du Mac que je dois trouver un système pour que le presse-papier puisse être plus gros. C'est pas dans Photoshop que le problème se trouve. Mais bon, peu importe, tant qu'on reste dans Photoshop, le presse-papier, il marche.